Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Great Ace Attorney Chronicles. J'espère que vous allez bien et nous allons dans cet épisode continuer à enquêter sur Mael Strongheart, hein, j'ai envie de vous dire. Tellement les flèches nous montrent, nous pointent vers lui. On enquête indirectement sur lui, mais directement presque. Presque. Alors, je me demande si vous pouvez nous en dire plus à propos de ce qui est exactement arrivé à l'époque, Dr. Goré. Je me suis trompé. Je me suis gouré. Loul. On va conversater avec la confirmation de la mort. L'exécution du professeur était la première grande affaire de ma mère. Elle avait besoin d'être dans la chambre d'exécution du de la prison de Barclay et signe un certificat pour confirmer la mort de la victime. Enfin, du coupable, pardon. Ma mère est le meilleur légiste dans le monde, vous savez. J'étais tellement fier d'elle. Mais l'exécution n'a pas réellement eu lieu. Hey. Non. Et pire encore, ma mère a en réalité aidé avec la sortie de prison. Mais je ne voulais pas savoir. Et en fait, est-ce que ça serait pas le docteur 6 qui, quand elle a fait l'autopsie de Clint, s'est rendu compte que Lord Strongheart manipulait tout le monde, et elle a voulu sauver le professeur qui n'était pas le professeur, qui était d'une mort certaine alors qu'elle était innocent. Elle a voulu le sauver. Et là, elle est en tôle parce qu'elle a sauvé un mec qui était innocent. Si c'est ça, franchement, j'applaudis Dr. 6. Hein. Bah, elle a quand même buté un autre mec derrière pour le protéger, ça. Ce qui est très étrange. Donc j'applaudis moins Dr. 6. Ah mon dieu. Odir, tu l'as récemment découvert, tu veux dire je croyais en elle, en ma mère, mais maintenant je me demande si je commence à suivre le même chemin qu'elle. Je voulais dire, parce que tu as omis le temps de la mort sur ce rapport d'autopsie. Mais c'est parce que le Lord Strongheart t'a empêché de l'inclure. Bah, c'est exactement la même chose qui s'est passée avec le Dr. 6, je pense. Juste comme maman, je suis sûr qu'elle était forcée par quelqu'un également. Oui, c'est mon sentiment également. Absolument. Et c'est le même, évidemment. Il n'y a aucun doute qu'il y avait des forces puissantes en jeu il y a 10 ans. L'exécution n'aurait pas pu être réalisé, ou plutôt, comment dire, une stage où il aurait pu être annulé, enfin détourné, sans que beaucoup de monde à la prison ne soit au courant. Évidemment, le gouverneur de prison devait être mouillé également. Le grand homme avec les petites menottes, avec ce qu'il nous a dit, il a été trompé par le gardien en chef. Il dit qu'il ne sait rien de plus. Ouais, c'est ça. Évidemment qu'il dit ça. Je dirais la même chose. Mais qui était donc cette derrière cette évasion toutes ces années auparavant? Alors, bah, du coup, moi, je pense que c'est le Dr. 6, hein, vraiment, qui a essayé de sauver. Qui a essayé de le sauver, en fait. Parce qu'elle a été forcée à dire que c'était lui le coupable, par Mael. Alors que c'est Mael Strongheart qui a buté Clint. Putain. Oh. C'est tellement atroce, t'imagines? Pour Barok, il a travaillé pendant 10 ans avec le vrai meurtrier de son frère. C'était son supérieur, quoi. Waouh, c'est chaud, hein. Si c'est ça, c'est chaud. Hein. Si c'est vraiment ça, c'est vraiment très chaud. Vous avez mentionné l'autopsie de Clint Van Zyck. Alors, c'est à ce moment-là, lorsque réaliser des autopsies des victimes de meurtre était très inhabituel. Ce n'est toujours pas une pratique que nous pouvons observer dans notre pays, même aujourd'hui. Il s'est avéré qu'il soit la dernière victime du professeur.
et lorsque l'autopsie a été réalisée, ma mère était présente, même si c'était seulement en tant qu'assistante secondaire. La personne... Oh putain! La personne en charge des procédures était appelée le docteur John H. Wilson, évidemment. Ah, et tout se recoupe. Alors, le Wilson, pourquoi du coup il a été assassiné par Jesse Brett, qui est... Eh ben, c'est Strongheart, tout pareil. C'est Strongheart qui essaye de les buter. On avait une liste à la fin du premier jeu. On a vu Dr. John H. Wilson. Je suis pas allé voir qui c'est qui avait comme nom dessus. Il y avait Dr. John H. Wilson. Je vais aller voir. Je vais mettre en pause l'épisode, je vais aller voir. Ok, je suis de retour. Mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Dans la liste, il y avait Kazuma, Tobias Gregson, John H. Wilson et Assassin. À l'époque, on ne savait pas qui c'était Assassin. Mais maintenant, on sait que c'est Jesse Brett qui est morte. John H. Wilson qui est mort. Kazuma, il n'est pas mort. C'est le seul. Gregson, il vient de crever. Kazuma, il est en danger, en fait. Kazuma est en putain de danger. Ouais, et je pense vraiment que c'est toutes les personnes qui sont en relation avec, finalement, le professeur et qui pourraient essayer de découvrir la vérité par rapport à si c'est réellement passé dans cette affaire. Et c'est Strongheart qui essaye de tout supprimer. Hein. C'est cela. Mon papa. Yes. Il y avait une autre personne présente ici, l'assistant premier. C'était un étudiant en visite de l'Est. Est-ce que c'est Genshin Asogi ou alors c'est le juge? Attendez. Un étudiant en visite? C'est quand même pas Miko Toba. Ça doit être mon père. Ah bah si, c'est son père. Mais le seul des trois que j'ai pas dit, évidemment. Yujin Miko Toba. Il n'avait aucune idée que le professeur Miko Toba avait été impliqué dans quelque chose d'aussi important. Donc du coup, c'est un témoin de l'affaire, c'est important. Mais en résultant de cette autopsie historique, était la découverte d'une pièce, d'une preuve vitale qui a mené à la capture du professeur. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus à identifier Genshin Asogi en tant que le fameux meurtrier serial killer. Est-ce que tu connais quelque chose à propos de cette preuve? Peux-tu nous en dire plus? Évidemment, je pense que non. Hein. Est-ce que tu aimerais voir les rapports par vous-même? Bah oui, évidemment, quoi. Est-ce que ce sera bon? Ce serait bon. Quel est le but de garder des rapports si personne ne peut les regarder? C'est un bon point. Ils sont classés sous le nom de V au dos, dans les classeurs, avec les autres rapports de cette dernière décennie. Est-ce que c'est le 5 plutôt que V? D'accord. On va aller voir ça. Voyons voir Van Zyck. Ah non, c'est juste Van Zyck. C'est bien un V du coup. Van Zyck. C'est étrange. Quoi, Naruto? Ils ne sont pas là. Il n'y a rien sous le nom de Van Zyck. Mais ça doit être le cas. Eh oui. Évidemment, nous avons, comment il s'appelle, Maël, qui est venu tout prendre. Peut-être quelqu'un les a déjà pris. Non. Personne n'est autorisé à prendre les documents en rapport avec le professeur, avec l'affaire du professeur en dehors de cette pièce. Mais tu as raison, ils sont partis. Ils ont disparu. Bien, quelle est la dernière fois que quelqu'un les a regardés? T'en rappelles-tu? C'était Maël Strongheart, évidemment, je me rappelle maintenant. C'était il y a 2 ans. Un détective en consultation est venu ici dire qu'il aimerait voir les rapports. Est-ce que ça serait pas Sholmes qui lui aussi nous cache plein de choses? Non. Tu ne veux pas dire que... Herlock Sholmes, c'était son nom. Et putain... Merde, putain, quoi. Please. Et oui. Au fond de moi, je savais que ça arrivait. Bah ouais, on le savait, ouais. Tout est connecté, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il a volé les rapports? Probablement, oui. Oh non, certainement pas. Iris, ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Est-ce que ça serait pas, justement, les rapports qui seraient, vous savez, dans le... Dans une des histoires de The Hounds of the Baskervilles, il me semble que c'est ça, il y avait l'histoire qu'il ne pouvait pas publier. En fait, ça se trouve, c'est là où il a caché les rapports, en fait, probablement. J'ai fait beaucoup de « en fait », mais je pense que c'est ça.
1000 points d'exclamation. Iris. Ça m'a l'air plausible en tout cas comme explication. Runo. J'espère que ça ne te dérangerait pas, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Iris? Je viens de me rappeler de quelque chose de très important que j'ai à faire. Je vais avoir besoin de partir maintenant. Pardon, mais c'est très soudain, Iris. Et c'est surtout très étrange vu les circonstances. Eh bien, nous allons venir avec toi alors. Oh non, 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 il n'y a pas besoin. Toi et Runo peuvent rester ici. Et prendre votre temps. Je m'en vais alors. Bonne chance. Waouh, attendez un instant, petite fille. Hein? Moi? Je me rappelle maintenant. Tu es arrivé ici auparavant, n'est-ce pas? Tu es venu ici avant, n'est-ce pas? Ah ben, c'est, hein? C'est elle qui a volé. N'est-ce pas, Iris? C'est elle qui les a volés, putain. Elle voulait en savoir plus sur son père. Oui, 2 ans, quand le détective est arrivé. Tu étais avec lui, n'est-ce pas? Tu étais un spécimen bien vivant, également. Oui, c'est la façon dont ça marche, généralement, oui. ah bon? Je ne me rappelle pas vraiment. Oui, c'est ça, ouais. De toute façon, désolé, mais je dois partir. Attends, Iris. Je vais infuser un thé quand vous arriverez à la maison. Non, mais elle a clairement volé les trucs, hein. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle se comporte très étrangement de tout d'un coup. Eh bien, dans ce cas, nous n'allons pas vous garder plus longtemps non plus. Vous retenir plus longtemps. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas eu de visiteurs, c'était plutôt fun. Mais la prochaine fois que vous venez, je préférais que vous soyez déjà prêt pour la dissection. Je ne peux pas faire de promesses, désolé. Ah ouais, non, mais elle est un peu starbée quand même. C'est un peu étrange que les rapports de l'autopsie de Clint Van Zyck ont disparu. Mais je pense que nous avions demandé tout ce que nous avions à demander pour le moment. Ouais, c'est quand même très très étrange. On retourne à la suite de Sholmes, je suppose. Non. Oh là, l'enchif, j'ai quand même bien envie d'aller lui parler à Maël. Il n'est pas là. On va peut-être aller parler à Mikotoba. Non plus. Il est parti. Gouverneur. Voilà, tout simplement Van Zyck. Ah, tout simplement Van Zyck, peut-être. Non plus. Bah, il reste plus grand-chose, là. Il reste plus grand-chose. Il n'y a rien à examiner. D'intéressant, je pense. Je vais pas faire ça. Où est-ce que je pourrais aller? Bureau de Kazuma, ça me paraît peu probable. On en vient, il n'est plus là. Il a disparu. Ils sont tous partis. Très bien. Il manque peut-être un truc au Forensic Lab. Hein. Mais non, il nous a dit que j'avais tout à faire là. À demander. Peut-être demander tout ce qu'il fallait, mais. Peut-être. Regardez. Pardon. Non, elle va nous dire non. Nope, nope, nope. On va pas faire ça du moment qu'elle est armée. Oui, oui, on va pas faire ça. À part Sainte Vigile, il a rien à nous dire, lui. Bah, du coup, on va faire appel à notre ami le story mode. Hein. Fresno Street, qu'est-ce qu'il y a à Fresno Street? Ah bah d'accord. Bah comment je suis censé savoir? J'y suis allé déjà à Fresno Street tout à l'heure et il s'est rien passé.
Et là, il se repasse des choses. La police est toujours en train d'enquêter. Mais Gina n'est nulle part. On ne peut trouver Gina nulle part. Où est-ce qu'elle est ? Oui, elle a été étrangement silencieuse, n'est-ce pas ? Peut-être qu'elle est à l'extérieur à enquêter de son côté. En mettant en pratique ce que son boss lui a appris. Eh bien, je pense qu'elle sera de retour dans peu de temps. Nous devrions l'attendre. En fait, il y a quelque chose de différent à propos de cette pièce depuis que nous sommes venus la dernière fois, n'est-ce pas? Est-ce que les tableaux étaient là? Nous pourrons utiliser ce temps pour enquêter un peu plus la cheminée. Elle est plus sale, non? C'est vrai que la cheminée m'a l'air... Non, la cheminée, ben non, du coup. Le tableau. Les détails des affaires, à propos des affaires d'il y a 10 ans. Blablabla, l'histoire de Lord Van Dyck, des défaites de Lord Van Dyck à la cour. Je ne crois pas que c'est une description appropriée. Même si, lorsque tu considères tout sur le tableau, c'est certainement vrai. Que toutes ces gens avaient des affaires de douteuses. Et à la fin de leur histoire, le tableau lui-même camoufle l'inspecteur de la propre mort de l'inspecteur. Et oui. It really doesn't bear thinking about that. Thinking about, ouais, ça ne vaut pas la peine d'y penser. Enfin, si, c'est pas ça, ça fait du mal à y penser, quoi. Bref, il y avait cette affaire là, cette mallette. Je viens de la voir. Cette valise n'était pas là avant, n'est-ce pas? Non, il semble qu'elle soit faite de métal, ça doit être très lourd. Je me demande à qui elle appartient. Il y a des initiales. À l'extérieur, regarde ta gueule. Non, Tobias Wexon, évidemment. Demandons aux policiers s'ils savent comment elle est arrivée ici. Ah oui, qu'est-ce que vous pensez faire? Ah, revoilà Gina. C'est ma valise, ça. Gardez vos mains dans vos poches. Gina! Ta-da-ta-ta-da-ta-ta-da, qu'est-ce que tu caches? Non, est-ce que tu te cachais? Je ne sais pas. Je laisse quelque chose sans y regarder pendant quelques secondes. Et tous les Tom, Dick and Gary posent leurs yeux dessus. Ou Harry peut-être, je sais pas. Bref. On s'en fout. Juste une... comment on dit? C'est une supputation. Une supposition, c'est mieux. Une supposition, Gina, mais quoi? Dis-le-moi au dos. Est-ce que c'est juste de dire que tu viens de... que tu es en possession de cette mallette depuis seulement ce matin? Le procès de ce matin. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est de dire? Allez, vas-y. Fais pas genre. Cette valise me suit depuis toujours. Enfin, me suit partout. Et ça a toujours été le cas. Où est-ce que tu as été là depuis l'année dernière? Essayez de ne pas absorber ta colère. D'accord. Enfin, de goûter ta colère plutôt. Your boss, your investigations. Dis-nous tout. Tu devrais les entendre parler au quartier maintenant. Ils devraient être honteux d'eux-mêmes. Ils disent que c'était le boss qui a tué tous les méchants, enfin tous les voleurs. Tu veux dire que toute cette chose autour du faucheur? Oui. Apparemment, le boss était en train d'enquêter sur des choses que personne d'autre au quartier ne connaissait. Des choses qui avaient à voir avec tous les criminels qui se sont échappés du procès. Oui, les mêmes personnes qui étaient dont le procureur était Lord Van Dyck.
et qui ont utilisé la corruption et les pots de vin pour échapper à leur... comment dire... comment il dit ? Conviction, à leur culpabilité, non, à leur condamnation, voilà. Et bien évidemment que c'est ce putain de faucheur qui a donné les ordres, n'est-ce pas ? Maël ! C'est tout. Mais pourquoi est-ce que les gens suspectent l'inspecteur Gregson d'être impliqué dans les meurtres ? Il y avait un carnet de notes caché dans son bureau. Oh non, ça ne semble pas bon. Et tous les détails à propos des crimes qu'il... Là, t'avais une page... Ok, qui ont été notifiés comme étant les travaux du faucheur. Quoi ? Non. Est-ce que tu l'as vu, Gina ? As-tu vu ce cahier ? Ils ne m'ont pas laissé le voir. Juste parce que je suis une apprentie, apparemment. Et c'est moi qui l'ai trouvé, et c'était mon boss. Tu as raison. J'étais plutôt... elle l'a volé. Elle l'a chourave. Bien joué, Gina. J'étais plutôt énervé à propos de ça, donc... J'ai regardé... Ok, non, elle a pas chourave. Elle a juste regardé. J'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, de toute façon. Quoi ? C'est ça, c'est notre Gina, ça. Yes. Pas refaire chez vous, hein. C'était professionnel, là. Donc, tu as réussi à voir ce qui était écrit dans le... cahier de notes secret de Gregson, de toute façon, n'est-ce pas ? La façon dont je le vois, c'est de mon droit de lire ce qu'il a écrit. Et qu'avait-il écrit, Gina ? On a tous envie de savoir, arrête de nous dire que c'est à toi qui t'avais le droit de le faire. Des dates, des lieux, enfin des endroits, pardon, enfin non, des temps, pardon, des moments, des instants, des heures, du coup. Des lieux et des noms. Et toute une longue liste d'entre eux. Les détails à propos des... criminel supposé d'avoir été tué par le faucheur. Mais il pourrait y avoir une explication pour ça. Peut-être que c'était le rapport... C'était un rapport des enquêtes de l'inspecteur à propos des activités du faucheur. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est la première chose à laquelle vous penseriez, n'est-ce pas ? Et il semblerait que c'était rempli de noms que j'ai reconnus tout de suite. Eh bien, les cibles du faucheur... était presque exclusivement connu. Attendez, non, j'ai mal lu. Westfall Lane, ok. Ok, des plus connus des criminels de Londres. Eh bien, oui, mais il y avait un nom juste au-dessus qui était un petit peu étrange. Maël Strongheart. Et à la fin de la liste, tu veux dire ? Je suis plutôt sûr. Que la date contre elle était le 31 octobre. Ah, et on est le 31 octobre là. Le jour avant que l'inspecteur ne soit trouvé mort. Ah bah oui, c'est ça. 31 octobre, on est le 1er novembre. Enfin, il est mort le 1er novembre. Donc, qu'est-ce qui est. Quel était ce nom étrange ? Ce n'était pas comme un nom que je n'avais jamais eu avant. C'était quelque chose du genre. Non, ça ne vient pas. Je ne peux pas m'en rappeler. Je ne pense pas que c'était un nom anglais. Mais... Je ne crois pas que c'était un nom anglais, dit comme ça. Assassin peut-être ? Quel dommage, on ne sait pas qui. Il y avait quelque chose d'autre également. Je ne sais pas si cela est important, mais le même nom n'arrêtait pas de venir, enfin de revenir à nouveau. Shin, voilà c'est ça, Assassin. Je ne crois pas que ça veut dire quelque chose, mais... Ce qui est bizarre, c'est que c'était l'assassin de... du faucheur, justement. Qui voulait vraiment buter Shin, hein. Est-ce que tu viens de dire Shin ? Tout à fait. Hein ? Quoi ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Oui, tout à fait. Lord Vanzik connaissait ce nom également. Il l'a mentionné. Cette femme... C'est cette femme qui faisait en réalité des meurtres. Maintenant, nous découvrons... que son nom apparaît également dans le cahier secret de Gregson. Alors, c'est suspicieux tout ça. Nous ne t'avons pas vu depuis un instant, n'est-ce pas, Gina ? Mais évidemment que non, j'étais occupé, n'est-ce pas ? À enquêter et tout.
les gars du quartier essayent de tracer les mouvements du boss le jour avant que ça n'arrive. Le jour avant, ça devrait donc couvrir l'enquête de la Ligue des Roues, je suppose. Des cheveux rouges. Parce que pour moi, cheveux rouges, c'est pas roux, hein, mais bon. La traduction dans Sherlock Holmes, c'est roux, donc bon, bah écoutez. On va faire ça, hein. Seul le boss n'est pas parti, n'est-ce pas? Il a découvert... you found some cove what was pretending to be him. Ok, vous avez trouvé quelqu'un qui prétendait être lui, n'est-ce pas, Odo? Enfin, seulement le boss. C'était pas only dans le sens seul, c'était only dans le sens seulement. Le boss n'y est pas allé. Oui. C'était Mr. Vigil, donc, qui est en réalité allé dans le parc sur le Lime Street ce jour-là en se faisant passer pour Gregson. Et bien, de toute façon, you ain't the only one turning stuff up. Tu n'es pas le seul à fouiller. J'y suis allé de mes propres affaires également. Avec son petit chien. Quand moi et mon partenaire sont ensemble, il n'y a rien qui peut semer notre trace. Enfin bref, dont on ne peut pas suivre la trace. Oh, Little Toby. C'est tellement un ami dont on peut avoir foi. Donc, est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose alors? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Évidemment que c'est le cas. Je ne peux pas te le dire, cela dit. C'est du business de police, n'est-ce pas? Mais dis-nous tout. De toute façon, mon point, c'est que si vous avez besoin d'aide, vous savez envers qui vous tournez. Moi et mon petit chien ici. D'accord. Hellbound. Oui, mon chien des enfers. Parce que en effet, il sort. On a l'impression qu'il sort des enfers. Pas du tout. The Hellhound. C'est un H et pas un B. Hellhound. Gina, à propos de ton chien des enfers ici. Tu viens de le poser. Chef inspecteur Toby, tu veux dire. C'est la fierté de la force. La force de police, hein. Pas celle de Star Wars. En japonais, un chien de police veut dire quelque chose de plutôt différent. Not altogether nice to those involved in crime. Et pas du tout... Ok, ils sont pas du tout gentils avec ceux impliqués dans un crime. Mais ici en Angleterre, c'est un merveilleux compliment, il semblerait. Pour un chien, ouais. Oui. Il porte le même nom que Tobias, hein. Enfin, c'est le surnom, quoi. Toby. C'est-à-dire que c'est la contraction. Ça se dit contraction? Non, le diminutif, plutôt. Alors, ça devrait être le cas. Après tout, ici, en grande... Enfin, dans la grande exposition... Dans l'affaire de la grande exposition la dernière fois, c'est Toby qui a réussi à localiser l'atelier de Draper. Absolument. Peut-être qu'il est temps de faire une autre démonstration de quel genre de super chien il peut être. Est-ce que nous avons quelque chose que le chef inspecteur pourrait renifler? Rattraper l'odeur. Ta la ta 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 la 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 la. Bah le revolver. En vrai. Le pistopiou, hein. Moi je dirais le pistopiou. Prends ça. Eh bien chef inspecteur Toby. Est-ce que tu voudrais bien renifler le ça? Sniff 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 sniff. Comme ça il nous mène... directement au bureau, au putain de bureau de Maël. Le chef inspecteur a dit ouf à ça, Odo. Oui, j'ai entendu. Je pense que peut-être cet objet en particulier ne l'a pas excité du tout. Ah bah yes. Est-ce que tu n'as pas quelque chose d'autre? Je dois penser. Merde. Ce n'est pas ça. Tant pis. On va s'arrêter là pour cet épisode, on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao ciao tout le monde !